À l'occasion du 14 juillet, Croc-Kilo vous propose une série de 7 vidéos consacrées aux régions d'outre-mer pour vous faire découvrir la richesse culinaire de la France. Aujourd'hui, c'est en Guadeloupe qu'on se rend avec le Bokit. Pour 6 personnes, vous allez avoir besoin de 400 g de farine, d'un sachet de levure de boulangerie ou 20 g de levure fraîche à délailler dans de l'eau pendant 15 minutes, de 15 g de margarine ramollie et de 200 ml d'eau tiède. Pour la farce, choisissez les aliments de votre choix. Nous, on a choisi des concombres, des oignons, des tomates, du thon, de la mayonnaise et de la roquette. Dans un saladier, mélangez la farine, la levure, le beurre et le sel, puis ajoutez l'eau petit à petit jusqu'à obtenir une bonne consistance. Pétrissez votre pâte pendant 5 minutes, puis couvrez votre pâte avec un torchon et laissez lever pendant 2 heures. Dégazez la pâte et divisez en 6 parts égales, puis étalez les boules de pâte légèrement au rouleau à pâtisserie. Faites chauffer un bain d'huile et frire les bokits et les égoutter sur du papier absorbant. Ensuite, garnissez votre bokit avec les ingrédients de votre choix. Et voilà, il ne reste plus qu'à vous régaler.